Alors, c'est qui cette Cérée qu'on va aller voir ? Ma mentor. Elle m'a sauvé de l'Empire sur Braca et elle m'a fait traverser la moitié de la galaxie. On dirait que vous avez vécu pas mal de choses ensemble ? C'est le cas. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville ? Non. Aux dernières nouvelles, Cérès se planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les Anachorètes. Ah, j'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jeddah. C'est Cérès. T'es prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holo-projecteur. D'accord. Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. Cérès est là ? Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors ? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi ? Elle envoie quelqu'un d'autre ? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai ! Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Merci pour l'info. Bon ? Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Tu devais pas y aller, Cal ? Je voulais m'assurer que t'allais bien. Pourquoi tu crois que je vais pas bien ? Tes mains tremblaient à l'atterrissage. Tu regardais mes mains pendant l'atterrissage ? C'est flippant. Allons retrouver l'escorte de Cérès. Le point de rendez-vous est droit devant. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD.
Je dois faire attention. Jedha. Pas mal. Allons voir. Bon, je suis prêt. On s'en fout. Cours si tu veux pas mourir sous ce caillou. N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. Salut. On dirait un parchemin. Je sais pas depuis combien de temps il est là. Nous lèverons le camp à l'aube. L'eau commence à manquer. Si nous ne trouvons pas une oasis, nous n'atteindrons jamais le pont du pèlerin.
Étrange. Et toi, t'es... Je t'en souviens. Ah, gardez le visuel sur lui. Endommagé. Et ça ne l'a pas réparé. Quoi que j'ai fait, ça n'a visiblement pas aidé. L'écho est encore là. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Cette canonnière se dirige vers le point de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte du Céré avant nous. Oui, je l'ai vu!
n'abandonne pas. C'est respectable. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Des impériaux. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Alors, tu m'observes ? Comme au bon vieux temps.
Surpris de me voir? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, Calcestis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens, mon speeder est là-bas. Ton land speeder? Les Stormtroopers l'ont trouvé. Alors on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvés, nous aussi. Prête? Essaie seulement de me suivre, Jedi. Craignez la colère de Datomir. Que quelqu'un prenne le relais! Tu vas céder! Il ne reste que les lignes arrière. Maintenant, tue-le! Toi, achève-le! Une perte de temps. Cal, le mur! C'est pas fini. À nous deux, on peut l'avoir. Je suis avec toi, Jedi. Attention! Par ici! Demande de maintenance. Sous le palais d'action. Mouvement brusque et imprévu. Notre ennemi n'avait pas le droit. C'était le dernier. Tu as appris de nouveaux tours. Toi aussi, on dirait. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher? Ça te plaît? Je croyais que t'étais parti explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jeddah? Jeddah fait partie de la galaxie, Cal. C'est bon à savoir. Je passe voir Ferré de temps en temps. Quand j'ai su que le Mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Bien, on devrait se dépêcher, Cal. Une tempête approche. Des Stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Comment tu peux en être sûr? Juste un speeder. Et un objet. Ça fait une sorte d'ici à la ville. On signale des ennemis dans la zone. On envoie une autre équipe d'éclaireurs. On est déjà pas bien nombreux. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois sur Nar Shaddaa? Exactement. Je te suis. C'est une première. C'était notre
notre dernier Death Trooper. Attention! Ils vont me le payer. Ça va? Ça va, oui. Par contre, mon speeder, même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Moins que... À quoi tu penses? On pourrait se trouver un transport. Très bien. Suis-moi. Tu n'as pas encore appris à voler, si? Là, tu le vois? Oui. Toujours aussi habile? BD a l'air d'être à la traîne. C'est juste une blague, droïde. Par là. Je n'ai pas coincé, j'espère. Nom d'un site. C'est bloqué. Oh, attention! Tu essaies de me tuer? Désolé, je pensais que... C'est bon, Cal. Recule. Je vais réparer ça. Qu'est-ce que tu fais? Je restaure ce que tu as plongé dans le chaos. Oh, incroyable. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Je me reposerai quand on sera arrivé à la base de Serré. Où tu as appris ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Mes sœurs sont parties, mais leur sagesse reste. Ah, les Spamel. Ils se sont arrêtés à une oasis. On se rapproche. Toujours rien. Continue d'essayer d'établir le contact. Quand tu veux. J'aimais vraiment bien ce speeder. C'est tout bon, BD? La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi nous protègent. Peut-être que quelqu'un à la base de Serré saura quoi en faire. La porte est bloquée.
l'ennemi n'a aucune chance. Mérine, tu t'en occupes ? Bien sûr. On se retrouve de l'autre côté. Ils ont peur de toi. Je sais. Ils me surnomment le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein ? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Ça a dû prendre plusieurs vies pour bâtir tout ça. Et maintenant, ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant mes voyages. Tout a une fin, Calcestis. C'est déjà fini ? Un scan ? On dirait des Jedi. Céré dit qu'à Jedha, autrefois, les gens vénéraient les tiens. C'était peut-être le cas. Des Jedi. Tu sais qui c'était ? Non. Mais Céré, peut-être. BD, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal ? Des ennemis. Tu as toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était une blague, j'espère que tu vas tomber. J'espère que t'es prêt. Rapproche-toi. C'est pas parfait. Attention. Envoie un steam, BD. Ça a marché. La tempête se rapproche. On va s'abriter dans la base de Céré. Elle est dans le désert, cachée de l'Empire.
Un nid de Skryton. Mais où est le Skryton? Quelque chose approche. On peut l'avoir ensemble. Très bien. Reste concentré. J'ai besoin d'aide, Lily. Prends un steam. Coup de main ? En ai-je envie. Merci. Céré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Le Spamel ! Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un ? Je peux essayer. Une oasis ! On est sauvés ! Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Tu es fatigué ? J'ai besoin d'un instant. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. La tempête approche. On doit partir. Tu veux de l'aide ? Merci. Mais je me débrouille. On y va. La base est loin ? Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Et maintenant, on a le temps de discuter ? Sans blague. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie tout entière ? Presque. C'était comment ? Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaïa, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Tu as eu affaire à l'Empire ? Bien sûr. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Où que j'aille, tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Le chemin du retour. Oh là ! J'ai jamais vu de tempête pareille. On ne sait jamais combien de temps elles vont durer. Eh bien, n'attendons pas de le savoir. Exactement. Tu as évité Céré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui ? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'Ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être partis ? Je m'y attendais pas vraiment, Meryn. On parte tous dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. Thank you.
C'est bien. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite? Il faut se dépêcher. On doit se dépêcher. Plus vite!
entends ça? Oh, impossible. Le Spamel a dû trouver un abri. Par ici! Une grotte. Ce Spamel nous a sauvés. On peut lui pardonner de nous avoir abandonnés à une mort certaine. C'est vrai. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécues depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Et... Je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver. Mais... ça implique de ne plus se battre. Et... me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe. Il te tient compagnie. Dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Mérine. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Qu'as-tu trouvé? Je me suis trouvée. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découverts. Datomir sera toujours mon foyer, mais... ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais... avec du recul... je crois que tu as fait le bon choix. Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y.